Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis parti ce week-end dans le parc du Mercantour, à la limite du parc. Je suis là actuellement au col de la Couillole, un petit peu moins de 1700 mètres d'altitude. J'étais parti au départ pour un week-end bivouac hivernal dans la neige. Sauf que, comme vous allez pouvoir le voir à la caméra, de la neige, il n'y en a plus du tout. Ça craint, vraiment. On est quand même quasiment mi-février, donc au cœur de l'hiver. Là, il devrait y avoir au moins 1 mètre, 1,50 mètre de neige. Il n'y a rien. Et franchement, c'est assez surréaliste. Même dans les UBAC, donc les versants orientés nord, il n'y a quasiment plus rien. Pourtant, c'est là où la neige tient le mieux généralement. Mais là, c'est mort. Donc, ça va être un bivouac en période hivernale sans la neige. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Bon les amis, je crois que j'ai trouvé mon spot de bivouac pour cette nuit. Même s'il n'y a pas de neige, ça va quand même être chouette. Je dois être à 1850, 1900 mètres d'altitude. Et j'ai une super vue sur le Mont Mounier. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et voilà l'endroit où je vais me poser. Un endroit bien exposé, mais c'est fait exprès. Parce que je voudrais tester, même s'ils annoncent pas forcément des grosses rafales de vent cette nuit, j'aimerais pouvoir mettre à l'épreuve la Hilberg Hanno, c'est la tente que je destine pour mes bivouacs hivernaux. Si je pars en Scandinavie, c'est un projet que j'ai pour faire la traversée de la Laponie suédoise en hiver, et bien c'est la tente que je prendrai. J'ai une exposition à 360 degrés, donc comme vous pouvez le voir, s'il y a du vent, je le sentirai de toute façon derrière moi. Vous voyez le Mont Mounier, le Grand Mounier, le Petit Mounier avec les contreforts. Je pense que ça va être très beau panorama pour la soirée. Donc je vais commencer à me poser parce qu'il est 17h. Et comme ça, ça va permettre de pouvoir monter l'abri tranquillement. Allez, à plus les amis. Précipitation annoncée à la météo. La nuit va être calme et demain matin il va faire grand beau normalement. Donc je vais manger ma paella au poulet et ensuite je pense que je vais rejoindre mon petit cocon et me mettre bien au chaud pour passer la nuit. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée les amis et je vous dis à demain matin pour le petit déjeuner. Ciao.
partir. Je vous avoue que je serais bien resté encore un petit peu dans le coin. Cet endroit me plaît vraiment beaucoup. Je pense que je reviendrai bivouaquer ici parce que on a une vue à 360 degrés de malade. Regardez un peu de tous les côtés. On se régale les yeux. C'est génial. Puis alors cette vue là-bas sur le mont Mounier, franchement j'adore. Le mont Mounier, c'est un sommet qui culmine à un peu plus de, enfin presque 2900, je crois que c'est 2870, quelque chose comme ça si je dis pas de conneries. Et franchement, un 13 février, voir le sommet du mont Mounier sans neige, je pense qu'on est sur des records historiques d'enneigement là. Je vous envie, ceux qui sont dans les Pyrénées, les Alpes du Nord, vous avez de la neige. Sinon la nuit a été bonne les amis, j'ai bien dormi avec mon système de couchage, là, le Thermarest X-Wide. Plus le triple zéro à 1 kg de plume. Heureusement, j'allais dire, j'ai pas eu froid. Il a fait au plus froid moins 8. Bah, le test grand froid, ce sera pour une autre fois, là, malheureusement. J'espère qu'avant la fin de la saison, on va avoir un peu de neige quand même et des températures un peu plus basses. Voilà, les amis. Bon, bah, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Ciao. Les amis, cette petite balade se termine. Il est temps pour moi de rentrer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de vous évader quelques instants, de prendre un petit bol d'air frais. Je pense notamment spécialement à tous ceux qui ont malheureusement pas la chance de pouvoir partir bivouaquer chaque week-end. Comme d'habitude, hein, les amis, si la vidéo vous a plu, un pouce, un commentaire, un partage, ça permet de faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Je fais attention parce qu'il y a du verglas. Comme j'ai pas de crampons, j'ai pas envie de me péter la tronche. Hop, ça y est, c'est bon, il n'y a plus de verglas. Nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là, les amis, comme d'habitude, profitez de la nature tant que vous pouvez, mais surtout, respectez-la. Prenez soin de vous. Ciao !